اكثر من غوارديولا. نضحكوا على غوارديولا نقولوا عنصري لما حرزوا، حنا حنا اكثر من غوارديولا. جمال بن عمري في الصفحه تاعو تاع الانستغرام في ستوري لما سالوه بمناسبه العيد ميلاد تاعو، شوفوا واش رجع، واش سالوه، شوفوا واش رجع. ماكش تشوف باللي حاقرينك في ليون، بلاصتك باينه وانت خير منهم بزاف، وعندك بلاصه في التشكيله الاساسيه. جواب تاع جمال بن عمري، ماشي حقره، يجي النهار وين يجيني الفرصه، ومتاكد راح نستغلها. هذا هو الاحتراف في المستوى العالي. اما الحقره كي تجيك رساله من وليد بلادك يعايرك فيها، يقول لك رحت تسخن الكراسة، واحد رحت ضحكهم، واحد رحت ترفد البالونات، واحد رحت تغني وتشطح، هذه ماشي حقرة. واحد يسب لك يماك في رسالة، الله يهديهم إن شاء الله. لعب كما هذا اللي أنا نزلت في بالي وفي رأيي أنه يقدر يلعب في الخليج بالسيجار. أحكيها بالدرجة باش الناس تفهمني، بالسيجار يعني مكانته أساسية في أقوى فريق في الخليج، سواء السعودية ولا قطر ولا، يلعب بالسيجار. دار مقابلة ولا أروع ضد نادي ليل، ليل الدرجة الأولى الفرنسية اللي يلعب في الأوروبا ليج باش الناس تفهم، ودار مقابلة كبيرة وافتك العديد من الكرات وساعد الفريق نتاعو باش ما يخسرش وخرج بدون هدف في الشباك الفريق نتاعو تاع اولمبيك ليون. يجيك واحد لا علاقه بكرة القدم يتكلم كلام باش يهاجم ولد بلاده. نضحكوا قلتها ونعاودها على غوارديولا، وحنا اكثر عنصريه من غوارديولا. اي 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 ان تو كا جو رميرسي انورميمون كادور بور لا فيديو كي لا فيت. Voilà, notamment pour la traduction, hein, parce que voilà, je comprends l'arabe, je parle l'arabe, mais je ne le lis pas. Donc je le remercie beaucoup pour la traduction du message en question. Bon, en français, c'est un peu plus, on va dire, c'est résumé, plus ou moins. Donc, parce que par rapport à ses 31 ans, donc il avait fait un abonné lui a posé la question. S'il est frustré d'être tout le temps remplaçant à Lyon, s'il n'y a pas de la hougra. Donc lui, il a expliqué que frustré, si je dis non, je te mentirais. Mais il développe plus longuement sur sa situation, qu'il aura bientôt sa chance à l'OL et qu'il est certain qu'il va pouvoir la saisir. Il ne doute pas de ses capacités. Ça, il n'y a aucun problème, on le sait très bien. Il reçoit des messages blessants parfois par les supporters algériens. Mais il faut nous soutenir, nous les joueurs, pour le bien de l'ON. Je joue dans une équipe qui est leader du championnat et ses places sont chères. Bah ça, on le sait très bien. Il n'y a aucun problème. Nous, justement, comme le dit Jamel Belnamri, nous, on te soutient, c'est surtout par rapport à l'équipe nationale. Ça, il faut que tu le saches. Si on estime qu'à Lyon, étant donné que c'est une équipe qui tourne bien, parce qu'au final, on s'en rend compte que il est arrivé, au mauvais endroit, au mauvais moment. Tout simplement parce que Lyon est premier du championnat, Lyon ne perd plus, Lyon a son équipe en place, Rudy Garcia ne va pas changer son équipe, une équipe qui tourne bien et qui gagne, il ne va pas se casser la tête. Parce que Lyon, c'est surtout retrouver la Champions League. Le souci de cette année, si jamais Belnamri voit cette vidéo, c'est que il n'y aura peut-être pas de Coupe de France. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Ils l'ont supprimé l'année dernière. La dernière finale, c'était Paris Saint-Germain-Lyon, remportée par Paris au tir au but. Et il n'y a pas de Coupe d'Europe. Du coup, Rudy Garcia ne peut même pas faire tourner l'effectif, étant donné que Lyon est sur un seul tableau, le championnat. Et étant donné que Aulas veut absolument retrouver la Champions League. Nous, si on te dit de quitter Lyon pour jouer dans un autre club ou de te faire prêter par exemple, c'est dans l'optique des qualifications à la Coupe du Monde au mois de juin. Jamel, si on se loupe dans un seul match, ça peut nous coûter une qualification au Mondial. Et nous, ce qu'on veut, c'est te voir au Mondial titulaire, en numéro 4, être la muraille de Chine, derrière, dans la défense, avec Issa Mandi.
Nous, ce qu'on veut, c'est que tu joues. On veut que ton bien. Et nous, on veut le bien de l'équipe nationale. Et ça, j'espère que, de toute façon, à travers mes vidéos, je l'ai toujours précisé. C'est uniquement pour ça. Voilà. Après, je doute pas. À Lyon, ils savent très bien le niveau que tu as. Tu es meilleur que tous les défenseurs du championnat de France. Sans hésitation. T'es le meilleur. Mais voilà, t'es arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Moi, je pense qu'il aura fallu peut-être privilégier une équipe où tu aurais eu plus de temps de jeu, une place de titulaire, dans une équipe qui peut jouer... Bon, même, moi, j'ai dit Strasbourg, mais bon, Strasbourg, il joue le maintien. On va dire, allez, Montpellier, c'est intéressant. C'est un exemple. Ou Monaco, pourquoi pas. Parce que Monaco, en défense, c'est pas terrible. Voilà, c'est mon avis, en tout cas. Jamel, tu as notre soutien. Franchement, notre soutien à 1000%. On te soutient à mort, Inch'Allah, Ya Rabbi. Tu auras du temps de jeu et sinon, change de club. Dans les deux cas, on te soutient. Mais nous, on est triste de ne pas te voir jouer. Voilà, tout simplement. On est à fond avec toi. Et s'il faut que tu dois quitter Lyon, quitte Lyon. Et si tu penses que Lyon te donnera du temps de jeu, eh bien écoute, on va être patient. Et puis voilà. Inch'Allah que tu joues. Voilà. Inch'Allah, Ya Rabbi. Allez, force à toi. Et ceux qui insultent, franchement, Rabbi Yahdikoum. Rabbi Yahdikoum. Salam alaikum.